Et salutations YouTube, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de ce let's play sur Prince of Persia, la nuit guerrier sur PS3. On est toujours en direct sur Twitch, bien sûr, pour continuer ce jeu. Donc là, c'est parti, on va enfin aller voir l'impératrice. Hein. Il est temps d'aller la voir, la rencontrer et la buter surtout. Évidemment, parce que vous savez que c'est un peu ça qu'on doit faire. Hein. Et maintenant, on peut enfin aller la voir après avoir activé la dernière tour qu'il manquait, la tour mécanique en l'occurrence. Et puis écoutez, il est temps d'y aller, on va aller suivre Kaylina qui est déjà partie dans la salle suivante. Et puis cinématique, voyons ce qui va se passer. Où est l'impératrice? Où sont les sables? Ah le bâtard! Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes enfermés! C'est pas gentil ça! Je suis désolé, prince. Seul l'un d'entre nous peut tromper le destin. Vous? Vous êtes l'impératrice. Je t'ai dit de partir. Mais tu es. Révélation de ouf, Guenin! Et là, j'ai pensé que si tu pouvais changer ton destin, je le pouvais, moi aussi. Mais non! C'est l'impératrice depuis le début, en fait. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la télévision canal Lubumbashi. Écoutez, ça vient aussi soudainement que ça, mais on est parti en boss fight contre Kaylina, qui est, en fait, c'était elle, l'impératrice depuis le début. Hop, c'est parti. Alors là, comme on est en facile, je vais normalement pas galérer autant que moi quand je l'avais affronté en mode normal ou en mode difficile, hein, parce que croyez-moi que ce boss-là contre Kaylina... en vrai c'est vénère, vraiment quand vous jouez à ce jeu en mode normal ou difficile vous en chiez de ouf. Là en mode facile, je devrais m'en sortir. Alors hop, vas-y, hop là, alors attention parce que voilà, malheureusement il y a un ou deux coups, ça je m'en souviens, qu'elle donne même en parant, ça ne suffit pas. Hop là, ici ce qui est pratique c'est qu'on peut utiliser le sable qu'on a sur nous pour ralentir le temps. Et là, comme j'ai une arme secondaire, en plus, vous voyez, on peut enchaîner les attaques comme ça. Hop, on va te donner un grand coup, voilà. Et donc là, dès qu'elle a perdu le tiers de sa vie, du coup, elle commence à... Elle fait apparaître deux ennemis, en l'occurrence deux monstres corbeaux. Ils sont un peu plus vénères que ceux qu'on avait affrontés jusqu'à maintenant. Je vais juste en profiter pour aller péter les deux coffres qui sont dans la... Dans cette grande salle qui est la salle du trône d'ailleurs de la forteresse, hein, avec ce grand trône gigantesque juste là. Bon, évidemment je suis pas obligé de les faire maintenant parce que on va revenir à un moment donné dans cette salle plus tard, mais au moins comme ça c'est fait, au moins je vous montre où sont les coffres. On a aussi quelques poteries à briser, normalement il y en a certains qui contiennent du sable, hein, donc si jamais voilà, sachez que vous pouvez en récupérer en faisant ça. Un vrai massacre. Donc on n'a pas l'autre choix que de les éliminer si on veut de nouveau s'en prendre à Kaylina. Donc hop, le premier c'est fait. Le plus efficace ça reste de leur sauter dessus et d'attaquer de cette manière, à force ça finit par passer. Ils payent pas de mine comme ça, mais vraiment faut vraiment pas se laisser enchaîner par ceux-là parce qu'ils font très 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 mal. Même en facile, je peux vous laisser enchaîner par eux, vraiment la vie part en fumée quoi. Donc faut vraiment faire attention à ça. Faut arrêter de parer mes coups, enfin. Shadi, c'était la meuf en noir qu'on avait buté plus tôt dans le jeu. Hein, malgré tous tes plans, on est toujours là. Hein. Ok, donc elle-même essaye justement de faire en sorte que sa destinée ne s'accomplisse pas, à savoir en fait mourir de la main du prince, parce que en même temps c'est elle l'impératrice, c'est logique. On est censé être venu ici pour la buter, vu que c'est elle qui a créé les sables du temps. Hop là. Aïe, aïe, oui, aïe, oui, aïe. On se calme, on se calme. On se calme, s'il te plaît. Voilà, on ralentit encore le temps, c'est totalement pété, j'en suis totalement conscient, mais c'est ça qui est bon. Oh là là. Oh genre.
Ok, bon, ça va. Finalement, je m'en sors à peu près correctement. Hop, deux autres monstres à buter, ça me pose aucun problème, on va s'en occuper. Hop là, hop là, hop là, hop là, on se calme, on se calme. Et pas heureusement que là, pour le coup, sur ce boss-là, on a de la musique. Imaginez un boss fight sans aucune musique pour accompagner le tout. Ça serait un peu dommage, quoi. Bon, ça c'est fait, on va attendre qu'elle redescende encore une fois. Yop. Oh, genre. Mais arrête, hein, enfin. Laisse-toi faire. Voilà, regardez, elle a quasiment plus de vie. On va le refaire une dernière fois. Et comme ça, tu es vaincu. Voilà, parfait. Je ne te veux aucun mal, Kaelina. Allez. Mais tout ça doit finir. Tu n'es qu'un pauvre fou. Quoi que tu fasses, tu échoueras. Comme j'ai essayé. Et échoué. Avant toi. Pardonne-moi, Kaelina. On a carrément pété notre épée sur le dernier coup. Oh, explosion. Explosion de sable. Même elle, quand elle meurt, elle explose, quoi. Le truc de fou, quoi. Ah bah non, la statue. Je dois rejoindre le présent. Et bah voilà, c'est la fin du jeu. On a sauvé le prince. J'espère que vous avez kiffé, hein. N'hésitez pas à mettre votre note sur 10. On me propose de sauvegarder. Bah écoutez, si le jeu le propose aussi... Je propose comme ça, j'ai envie de dire, on va se laisser tenter. Hein. Mais bon, est-ce que c'est vraiment fini? C'est ça la grande question. Malgré toutes les prédictions, j'ai vaincu l'impératrice et empêché la création des sables du temps. J'ai vaincu le Daaka ainsi que le destin. C'est ton destin. Il est temps de quitter ce maudit rocher. Eh ben non. Non. Non, non. Visiblement, ce n'est pas réglé cette affaire. Le Daaka est toujours là. Aïe aïe aïe. Ouais, bah on pensait que ça serait... On serait tiré d'affaire, malheureusement, bah non, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Donc on est reparti pour une poursuite avec le Daaka dans notre dos. On va essayer d'y survivre. Hop là. Oh, j'étais pas serein de la manière dont il fallait passer l'obstacle ici, mais ça va, c'est passé. Oula, 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 oula. Oh, pff, alors là, j'ai complètement foiré ma course. Super. Voilà, là comme ça je le fais d'un coup. Et on passe la porte et c'est bon. Que se passe-t-il? L'impératrice est morte. Elle n'a jamais créé les sables. Le Daaka ne devrait plus se manifester. Et pourtant il est là. C'est un peu con. Et oui, la mort de Kaelina n'a pas pour autant empêché la création des sables. Je suis l'architecte de ma propre destruction. Oh, on a droit de la CGI carrément. Quand c'est de la CGI, c'est que c'est important. Ça. Allez, approche donc.
Dans ma quête pour détruire les sables du temps, j'ai été l'artisan de leur création. Afin que ceux qui lisent ceci connaissent la bravoure des hommes qui ont combattu et sont morts pour le Maharaja. Nous cherchions le pouvoir des sables. Presque tous ont péri. Moi parmi eux. Mais le masque des revenants m'a offert une seconde chance. De remonter le temps et changer mon destin. Cette fresque illustre l'impossible. Mais le masque des revenants m'a offert une seconde chance. Il me reste un espoir. Tu as eu ta chance d'en finir. Tu n'en auras pas d'autre. Et bien voilà qui est intéressant. Bon, déjà à ce stade du jeu, on va devoir faire gaffe hein, parce que bon bah on a même plus vraiment d'armes. Hein. Notre épée elle est coupée en deux et on a très peu de vie. Donc il faudra qu'on fasse attention. Donc bah, apparemment notre seul espoir serait de trouver cette fameuse relique, ce fameux masque des revenants là, qui apparemment nous permettrait de nous sauver entre guillemets. Cela dit, où se trouve ce masque? Telle est la grande question, mais en tout cas à partir de maintenant c'est ça qui va être notre objectif. Bon, déjà on va essayer de remonter un peu à la surface hein, parce que là on est tombé dans la zone des catacombes de la forteresse, donc bon, là déjà ça va être un gros morceau. On va devoir essayer déjà de sortir de cet endroit tout simplement, et puis après bah, partir à la recherche de ce masque en espérant qu'on le trouve. Donc déjà, on va devoir enchaîner plusieurs petites poursuites avec le Daaka, qui évidemment est toujours là pour nous enquiquiner. Hein. Oula. Ah bah super, on commence extrêmement bien, décidément. Voilà, c'est de ce côté-là qu'il fallait faire le petit... la petite course murale. Hop là. Ici, hop, on enchaîne les sauts parce qu'on est trop badass, évidemment. D'ailleurs, petit fun fact, des fois le Daaka, on peut l'entendre dire des choses alors dans une langue chelou, hein, évidemment, donc on ne comprend rien de ce fait. Mais il faut savoir que si, pendant qu'en fait il parle, si jamais en fait dans le jeu on remonte le temps en fait à ce moment-là, en utilisant notre compétence hein, voilà, de rappel pour nous sauver, là en fait on comprend ce qu'il dit en fait. Donc on peut de ce fait tout simplement théoriser sur le fait qu'il parle à l'envers, hein, tout simplement. Mais voilà, quand on remonte dans le temps pendant qu'il parle, là on comprend voilà ce qu'il dit au prince en fait à chaque fois qu'il parle justement. Donc voilà, petit fun fact. Donc voilà, on a actionné un premier petit mécanisme qui va faire monter une immense plateforme au milieu de la pièce. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc on a trois mécanismes de ce type à actionner. Le premier effet, bah écoutez, passons au deuxième. Donc là cette fois-ci c'est à droite. On aura deux passages à faire par ici. Oula, oula, oula. Et d'ailleurs on aura un truc assez rigolo à récupérer. Qui non seulement est rigolo mais un peu pété aussi. J'espère que j'arriverai à le prendre. Il faudra juste que je fasse pas de la merde quand on passera la troisième course. La troisième course poursuite. Mais c'est un petit easter egg sympa. Vous allez voir de quoi il s'agit. Donc, deuxième mécanisme, c'est chose faite. Donc, on va passer directement aux trois. Oh là là, les plans de caméra. Soudain, c'est toujours un réel plaisir à chaque fois. Donc là, faut vraiment être rapide. Donc j'espère que je vais pas faire de la merde. Là, ça va être tout de suite à gauche. Allez, prends-le.
Ouf. Ça va être très chaud. Donc là, on vient de récupérer une arme secondaire, mais un petit peu bizarre. Hein, vous venez, vous aurez l'occasion de le remarquer. C'est tout simplement la main de Rayman. Et oui, on a un petit easter egg comme ça à Rayman dans ce jeu. On a une main géante de Rayman qu'on peut... Eh merde. Une main géante de Rayman qu'on peut voilà, récupérer... Je vais complètement remonter au début. Qu'on peut récupérer et se servir du coup comme arme secondaire. Et celle-ci a la particularité de ne jamais se détériorer. Donc, à condition qu'on ne la jette pas, hein, évidemment, cette arme va nous être très utile, croyez-moi. Pour pouvoir réaliser des petits combos. Hop, donc là, on enchaîne. Là, le troisième parcours est un peu plus loin. Là encore, ça va, j'ai pas trop de pression parce que bon, j'ai toujours du sable. Hein, mais... Quand on en a plus dans ce genre de moment, là, on serre un peu les fesses. Hein, parce qu'évidemment, bah, ça veut dire qu'à la moindre erreur, c'est la mort. Là non, je peux pas remonter, là je peux. Voilà, donc bah écoutez, au moins j'ai pu récupérer ça. Ça, bon, ça sera surtout utile dès qu'on aura récupéré une vraie arme, hein, parce que là pour l'instant notre épée elle est inutilisable, on pourra pas vaincre d'ennemis avec ceci. Heureusement ça ne durera pas très très longtemps. Donc, on va pouvoir maintenant aller au sommet. En plus, on aura enfin une fontaine de vie pour nous soigner. Non, c'est pas du tout par là qu'il faut grimper. On a un côté précis. On peut escalader et c'est par là. Voilà. Donc, on va y aller tout de suite. Voilà, let's go. D'accord, j'ai un bienvenu sur le chat qui a popé nulle part comme si j'avais démarré mon stream. Bon. Voilà, on va enfin pouvoir se soigner. Ça va nous permettre de souffler un peu. Bon, là, on a vu le Daaka, mais on est protégé. Il va pas nous poursuivre ici, heureusement. Une nouvelle image débloquée. Un truc de fou, évidemment. Et donc oui, mise à jour, hein, parce que là, maintenant, on nous demande de retourner à la salle du trône, là où nous avions vaincu Kaelina, la fameuse impératrice. Bon, là, on a des ennemis, mais là, pas la peine de perdre du temps avec eux, hein, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas les vaincre. Tout ce qu'on peut faire, c'est fuir. Là, on pourra malheureusement pas faire grand-chose avec eux. C'est sûr que ça démange, hein, le fait qu'on puisse pas les éliminer, mais bon. C'est comme ça, que voulez-vous. Donc là, voilà, on a toute la partie déjà des catacombes à faire. Ah oui, alors ici, ça va être chiant parce que... Là, ce que je vais faire, c'est les mettre à terre pour avoir un peu de tranquillité. Parce que là, on va devoir grimper à une échelle qui est juste là, normalement. Voilà. Et quand t'as tous les ennemis qui te... qui tourne autour de toi et qui t'empêche de l'atteindre, c'est un peu pénible. Donc voilà, au moins comme ça c'est fait rapidement. Bon voilà, on a déjà la partie des catacombes, on aura une partie ensuite qui se déroulera dans une bibliothèque. La grosse main de Rayman, ça me fume quoi. Donc voilà, une petite bibliothèque, ça rappellera une séquence similaire qu'on avait eue dans les Sables du Temps. Dans le sens où on avait eu aussi une grande bibliothèque qu'il fallait traverser. Je vais boire à la fontaine juste pour avoir au moins le checkpoint. Comme ça, c'est fait. Et donc, on a une épée hein, voilà, qui nous attend en bas. Il ne reste plus qu'à aller la récupérer. Les ennemis, encore une fois, on les ignore. Et maintenant, on va devoir essayer de descendre. Donc là, on a tout un chemin de poutre à suivre. Hop, alors là, ici, on a des ninjas qui sont encore plus fortes que les précédentes qu'on avait vaincues dans le jeu. Bon là. Ah oui, bon là si je galère à essayer de la faire tomber, on va pas s'en sortir. Voilà, il suffit juste d'un coup, mais. Là le timing j'ai pas géré. Hein.
Ah bah super, j'ai beaucoup trop avancé alors qu'il fallait pas. Donc là forcément elle avait juste à me piétiner pour me faire tomber. Après on va s'amuser aussi hein, quand on va devoir les affronter. Hein. Parce que bon même là si on va récupérer une très très bonne épée couplée voilà, bah, avec la main de Rayman pour un combo assez sympathique, ça veut pas dire pour autant que les ennemis vont être faciles à vaincre. Oh là là, bah voilà, ça c'est beau. Elle est tombée du premier coup. C'est parfait. Ah, décidément, c'est un parasite. Hein. Et c'est reparti, on se fait courser à nouveau. Oh là là, on va jamais être tranquille avec lui, c'est terrible. Allez hop, on descend plus vite parce que il est très 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 proche de nous. Et ça, ça fait peur. Heureusement, on atteint vite une nouvelle chambre où nous allons pouvoir revenir dans le passé du coup. Ah, j'ai raté mon mouvement. Ok, alors là, c'est dans quel ordre cette fois-ci? C'est pas ça, super, super, super. Non plus, bah décidément. Sinon, ça va à vous depuis tout à l'heure dans le chat, je sais pas qui reste encore. N'hésitez pas à vous manifester, ceux qui restent. Je l'avais testé en troisième celui-là. Non, c'est bon, ok. Je me suis dit, j'étais reparti pour aller faire la même erreur, mais non, c'est bon. Bon. Ouais, ça va, sur LOL, tu gères. Bah, tant mieux. Retour dans le passé, donc qui dit nouvelle chambre utilisée, dit nouveau pouvoir, souffle du destin. Bon, là, en l'occurrence, c'est une amélioration d'un pouvoir qu'on avait déjà. Bah écoutez, on prend, hein. Voilà, ça remplace du coup la brise du destin. Bah, c'est pas un pouvoir que j'utilise en général, mais bon. C'est toujours ça de prix. Allez, on se soigne un coup. Moi j'aime bien quand ma jauge de vie, voilà, elle est bien pleine. Ça me rassure. Donc là, attention, on va devoir gérer les pièges. Et purée, qu'est-ce que je dis? On doit gérer les pièges et je fais de la merde. Hop, faut y aller, voilà, quand ils arrivent vers le trou. Voilà, là comme ça, c'est bon. Ah, je veux bien faire l'erreur une fois, mais voilà. Après ça va, je m'en sors. Alors ici, c'est un peu plus technique pour réussir à passer ce piège. Ça gagne aussi, let's go. Ça joue à quoi de ton côté, Stussy? Ça joue à Valo, ça joue à un autre jeu peut-être. Hop. Bonjour. Ouh, j'ai eu peur. On va revenir ici. Là, c'est bon, je peux passer. Et on revient dans la salle d'avant où se trouve de nouveau l'épée sur son présentoir. Et cette fois, nous allons pouvoir enfin la récupérer. Ça, c'est bien. C'est très très bien. Il avait un dialogue, il n'a pas dit son dialogue. C'est un concept. Épée du scorpion. Alors celle-ci, du coup, comme elle est expliquée, c'est une épée qui est plus solide que les murs. Donc ça veut dire que voilà, certains murs friables pourront être détruits avec cette fameuse épée. Ça va nous être bien utile, hein, d'autant plus que cette épée, bah, forcément, est encore plus puissante que celle qu'on avait avant. Donc autant vous dire que ceux qui sont là, voilà, là on va avoir toute une vague d'ennemis à éliminer, bah on va s'en sortir normalement sans trop de mal, hein, vous voyez, il suffit d'un combo en plus avec la main de Rayman et hop, on s'en sort très très bien. Ah mon dieu. Ok.
Et ça joue à Valo, ok, ok. Oh, le tas d'armes qu'il y a sur le sol, c'est n'importe quoi. Ouais, non, ici, on n'a rien de particulier. Hop, pareil, eux, on les élimine. Et on n'a rien d'autre, hein. Ouais, faut qu'on aille directement par là, du coup. Et dites-vous qu'on n'a pas encore l'épée d'eau, et déjà cette épée est plutôt puissante. Donc là vous voyez, hein, avec cette épée, c'est quand même efficace pour détruire certaines parois. Là par contre ici on va de nouveau, on va avoir droit à de nouveaux ennemis. Ils sont un peu les ennemis de base avec leur épée, sauf que là ceux-là sont encore plus forts. En même temps, faut qu'on ait bien des ennemis qui soient corrélés avec le niveau de puissance de votre épée. Donc eux, par contre, sont beaucoup plus résistants. Donc faut faire gaffe. Surtout que pareil, ceux-là, si on se laisse enchaîner par eux, bah, on peut très vite se faire défoncer. Et eux, pareil, hein, quand vous jouez en mode difficile, bah, croyez-moi, ils sont vraiment compliqués à vaincre. Hop. Alors, c'est vrai que je vous l'avais pas montré, mais la main de Rayman, elle est quand même pratique, parce qu'il suffit d'un coup bien placé pour renverser n'importe quel ennemi. Oh, sans déconner. Donc c'est plutôt pratique. Voilà. Là au moins ça les calme. Bon, par contre, voilà, hein, vous voyez qu'on prend quand même un peu cher. Ah, bah voilà quand même. Ils ont quand même pas mal de PV, hein. Même avec cette épée là, ils sont chiants. Oh là là. Allez, s'il reste plus que toi. Voilà, comme ça t'es foutu. Tu es mort. Rien de particulier. Là-bas par contre on a un coffre. Ça fait toujours une image de plus. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, hop, on va aller placer cette petite cage sur l'interrupteur. Comme ça, hop. La suite nous est accessible. Youlou ! Encore d'autres ennemis. Bon là, on revient aux ennemis d'avant qui sont moins forts. Même s'ils mettent quand même un nouveau aussi. Bon. Là ça va, il n'y en a qu'un seul. Bah alors, on se fait défoncer? On est nul? Aïe aïe aïe. Allez, encore une petite série de pièges. Un grand classique. Hop 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 hop. Là, il y a un petit timing à gérer quand même. Ok. Ensuite, on va atterrir dans quelle pièce? Ok. On va déjà se servir de ça. Waouh, incroyable. Ah bah non, pas très cool ça. Bon voilà, des petits ennemis random qu'on élimine facilement. Là cette fois-ci par contre on va ouvrir l'accès à la suite. Alors là par contre faut y aller en ralentissant le temps parce que sinon on n'a pas le temps de passer la porte. Et encore deux nouveaux copains, super. Hop, tiens, on va faire ça. Bah non, et venez un peu là. Voilà, il faut que cette attaque elle vous atteigne quand même. Surtout que c'est plutôt puissant. Regardez-moi ça, voilà. Nickel. On a encore un petit coffre, voilà. C'est bonus, mais ça fait toujours plaisir. Et bah, je crois qu'on a déjà fait un peu le tour. Donc ça, c'est bien. Hop, on va activer ceci pour ouvrir la porte suivante. Et on va avoir un petit combat qui va nous attendre après. Donc déjà, on va se soigner, histoire de se préparer.
Hop. Et je pense que d'ailleurs pour cette vidéo VOD là, je m'arrêterai après. Vu qu'après, il me semble que ce sera... Ouais, on va changer de zone. On va aller se diriger vers la bibliothèque. Donc, ce sera parfait. Et ici, on affronte un géant, sauf que celui-là est beaucoup plus vénère que les autres. Hein. Là, c'est un petit boss, hein, littéralement. Cela dit, ça reste la même chose pour le vaincre. Faut viser les talons. Vu qu'il n'est pas protégé de ce côté-là. Sauf que là, bien sûr, il faudra beaucoup plus de... Beaucoup plus de tentatives pour après en venir à bout. Voilà, donc on va pouvoir grimper sur lui une première fois, si j'y arrive. On ralentit le temps encore une fois, comme ça on a le temps de lui donner un max de coups. Maximum de frappe, voilà. Alors par contre, il faudra faire gaffe aussi parce que je sais que... Voilà, il y a des moments où il va tenter de nous choper. Alors c'est un peu chaud d'essayer... de l'éviter, mais ça passe. Ah. Ouais, il y a deux, ça fait deux fois là qu'il est censé me normalement réussir. Il aurait dû me choper, mais ah c'est bon, là il m'a chopé. Bon voilà, quand il arrive à nous choper, et à nous dégager, il regagne par contre un petit peu de vie, mais bon, on a quand même réussi à bien le blesser, donc ça va. On n'a plus qu'à faire une deuxième fois la même chose, et puis après on va vite le défoncer, donc c'est pas un problème. Aïe. Et non. Ouf. Le coup arrière qu'il m'a mis, le bâtard. Et bah c'est parti, on va pouvoir t'achever. Et voilà. Allez. On a réussi notre coup, incroyable. Du coup, eh ben, on va aller vers l'échelle qui est redescendue, histoire d'aller vers la suite. On n'a rien dans le coin, donc bah, du coup, hop, on va pas perdre plus de temps. Comme ça, on grimpe à l'étage. Ici, qu'est-ce que nous avons? Un petit coffre, très bien. Ah oui, si on va avoir et ben encore une nouvelle greffe de vie à récupérer un petit peu après, vous allez voir. Et salut à toi Ultimate, comment vas-tu? Moi pour ma part ça va très bien. On continue encore une fois notre aventure sur Prince of Persia et bah franchement ça avance très très bien. Hein. Là je suis... Je me rapproche quand même, on va dire, petit à petit de la fin du jeu. On finira pas le jeu ce soir, mais... Et on avancera en tout cas suffisamment pour que je sais, pour que je puisse me dire que la prochaine fois encore on sera sur le jeu, c'est-à-dire ce dimanche, pour nous bien sûr sur Twitch, et bah, voilà, on l'aura terminé d'ici là, donc c'est plutôt cool. Donc ici, si on reconnaît un mur qu'on peut péter, hop, donc on a un interrupteur. Interrupteur qui va ouvrir une porte derrière cet autre mur friable qu'on va péter tout de suite. Donc on va s'occuper de ça. Hein, parce qu'après tout, on va pas dire non à une upgrade de vie quand même. Hop, là par contre, on va utiliser le ralentissement du temps pour avoir le temps de s'y rendre. Et on est reparti pour une série de pièges. On va essayer de gérer comme on peut. Là, c'est une histoire de timing aussi. Et bah, ça passe. Très très bien. Ensuite, bah, c'est un peu la même chose. Et je passe. Oh là là. À partir de... Depuis quand je suis devenu bon, d'ailleurs. Ah, bah, il suffit que je dise ça pour me prendre des coups. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le greffe de vie est juste là. Donc là, on va pouvoir se mettre bien. Là, le prince, il va être comme ça. Là, il va être très bing. Et ça nous fait donc 7 upgrades de vie sur 9. Il nous en reste plus que 2 à trouver.
savoir que les deux derniers, le premier se trouve dans la bibliothèque, qu'on verra pour le coup dans la prochaine VOD, hein, mais on va s'occuper de ça, nous, ce soir, au cours de ce stream. Et la dernière, bah du coup, je crois que je vous en avais parlé, plutôt dans le let's play, mais en vrai, c'est vers le début du jeu que se trouve cette upgrade de vie. On avait à un moment donné trouvé une grille qui était friable, sauf qu'évidemment, on n'avait pas une épée assez puissante pour pouvoir la péter. Bah maintenant, on a une épée qui peut péter cette grille, donc on va devoir revenir à ce moment-là du jeu pour aller récupérer cette dernière upgrade. Comme d'habitude pour ma part, je fais pause game ce soir, je livrerai la seconde partie de Terre 3, ce sera dimanche un peu plus tôt que 20h. D'accord, ok. Ok. Et bah c'est cool. Petit programme sympa. Petit programme sympathique, c'est le cas de le dire. Et voilà, c'est ce que je me disais, on a une petite fontaine ici. Limite 18h ou 19h selon le temps. Pas de soucis. Ça marche Ultimate. Bon bah parfait, comme ça on va boire et puis on va faire notre sauvegarde. On aura bien avancé encore une fois. Quelque part c'est bien pour ce let's play, là pour le coup je fasse des petites VOD, parce que là, voilà, là en moyenne on fait des VOD de 35 voire 40 minutes à la limite. Mais c'est bien. Voilà, ça, on est limite sur des vidéos qui sont à peu près de la même longueur que celles d'un let's play vidéo classique. Ça change un peu. Donc au moins comme ça, voilà, ça fait un petit let's play sympathique à regarder avec, pour ce coup-ci, des VOD pardon, qui sont pas trop longues. Donc voilà, j'espère que, en tout cas pour ceux qui les suivent, bah, au moins vous appréciez cela. Bon bah voilà, en espérant que vous avez apprécié cette VOD YouTube. Évidemment, si vous voulez ne pas manquer les prochains streams, vous avez le lien de la chaîne Twitch en description, donc n'hésitez pas à aller me follow là-bas si ce n'est pas fait, ça me ferait très plaisir. Et puis bah sinon, on se retrouve dans quelques jours ici sur YouTube pour la suite de Prince of Persia, l'âme du guerrier. Allez, ciao !